Allez les amis, comment on se retrouve sur cette nouvelle vidéo de Harry Potter à l'école des sorciers sur PS. Allez, c'est parti. Donc il fallait pas que Ruzard nous voit, Ruzard, je sais pas comment il s'appelle le mec. Voilà quoi. Alors je suis content parce que lundi prochain c'est le premier pack de mes filles. Alors on est très content, ça nous tarde. Ça va être super, on s'est ruiné. Il faut faire attention là, il y a avec les Kinder et tout, jambon fumé, le fromage et tout, tout est contaminé hein, d'après moi. Il faut faire très attention les amis. Et les pizzas butoni, c'est quelque chose, hein. C'est carrément quelque chose. Voilà, cape d'invisibilité. Ah oui, là je me rappelle, il faut voilà, passer là. Il y a un passage secret, voilà. Bon, là on s'était fait choper ici. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Hop. Ouais, le chat là. Oui, il y a une clé. Je fais attention. Oh putain. Bon. Ah mais j'ai la clé carrément. Ah mais c'est le top carrément. Ah mais carrément, non mais carrément, j'ai carrément la clé. Oh, j'ai pas besoin de me prendre la tête là. Ah qu'il aille baiser ses. Qu'il aille baiser ses chartes. Qu'il aille mourir une heure. En vérité, j'ai même pas besoin de la carte d'invisibilité. Hein. Voilà, je passe crème, je passe au KLM, nique sa mère. Bon. Voilà. Impeccable. Bon alors. Maintenant la suite. Ah, un nouveau passage. Ah mais c'est le chat, je crois que c'était le rat. Donc. Ah. Allez. Ah putain, vite. C'est bon. Elle est où la cape? Ah. Devant sa gueule, le verrou il saute. Il en prend pas des raccourcis. J'aimerais bien qu'il y ait des dragées là. Ouh le chat. Ah.
passer par un passage secret. Ah, même pas. Ah, ce qu'elle va voir ses parents là. Le miroir du Rized renvoyait l'image des parents de Harry, James et Lily Potter. Qui le regardait en souriant. Harry les contemplait avidement du regard, comme s'il espérait passer au travers du miroir et se précipiter vers eux. Harry sentit son sang se glacer quand il entendit une voix derrière lui. Lentement, il se retourna. Comme des centaines de personnes avant toi, tu as découvert le bonheur de contempler le miroir du Rized, dit le professeur Dumbledore. Puis, il lui expliqua que le miroir ne montrait rien d'autre que le désir le plus profond, le plus cher que nous ayons au fond du cœur. Mais qu'il ne pouvait apporter ni la connaissance, ni la vérité. Le miroir du Rized sera bientôt déménagé ailleurs, ajouta Dumbledore, qui conclut d'un ton inquiétant en disant que si Harry tombait encore dessus, il serait désormais averti. Averti de quoi ? Pensa Harry. Ouais, voilà, c'est un petit bond dans l'histoire. Harry, il y a un énorme troll qui saccage tout. Et Hermione est coincée avec lui dans les toilettes des filles. Il faut l'aider. On va aller la sauver tout de suite. Allez, Harry, dépêche-toi, on n'a pas une minute à perdre. Mais ferme ta bouche et avance, con. Ah, si tu me prends la tête, là. Ah ouais, ça c'est bien. Intéressant. Petite sauvegarde. Ouais, c'est qu'en 3%. Allez, on a fait un bout de chemin. Hein. On fait la moitié du jeu. Pierre, il rebondit vachement. Hein. Ok. Toi, Harry, tu t'occupes du troll, pendant que moi, je cherche Hermione. Bien sûr. Et là, t'es courageux, toi. T'es toujours là quand il le faut. T'as un vrai pote. Oh, premier game over. Reprendre la partie. Bah, il faudrait qu'il me compte les dragées parce que... Non, oh, ça ne nous a pas compté, non. Il me rattrape en plus. Thank you.
Putain, je ramasse des dragées là, impeccable. Voilà, guignol. Putain, c'est pas vrai, putain. Oh là, je dois reprendre les 53 là. Eh ouais, putain. Oh, quel dégoût. Oh merde, j'en oublie un. Ah, obligé, il m'en manque un. Il faut que je les prenne tous. Alors voilà quoi, c'est pas évident. Ah non, c'est pas évident du tout quoi. C'est pas évident. Ça va, il n'y a pas beaucoup de chargement. Enfin, quand même un petit peu. J'ai rien dit. Allez, on se concentre. Allez, deuxième séquence. Ouh là là. C'est toujours en zigzag quoi. Ouf. Oh, il y en a une troisième. Eh merde. Ouais, c'est bon. Oh putain. Hop, il m'en manque un. Yes, c'est bon. Ah, c'est bien, c'est passé. Et j'ai les 100. Impeccable. Vise bien quoi. Oh, pas droit d'erreur. Voilà. Le chocolat. Non. Bah, il y a les gens qui ont déjà une crêpe. Non, c'est bien. Une autre lettre. Ah.
Harry, le second match de Quidditch de l'année va bientôt commencer. Gryffondor va affronter la talentueuse équipe de Serdaigle. Je me rends bien compte que tout est un peu précipité, mais vous êtes le meilleur attrapeur que nous ayons eu depuis des années. Nous vous attendons tous sur le terrain de Quidditch, alors venez tout de suite. McGonagall, directrice adjointe. Ouais, je voulais parler avec Fred et... Comment ça s'appelle là? Ok, les frères. Tu te prépares pour le match de Quidditch, hein? Fred et George. Ça permet d'être une belle rencontre. Serdaigle a une bonne équipe. Hagrid, que savez-vous sur le deuxième étage? Tu veux parler de Touffu? Touffu? Il est à moi. Je l'ai acheté à un ami grec que j'ai rencontré dans un pub l'année dernière. Je l'ai prêté à Dumbledore pour garder la... Garder quoi? Non, ça suffit. Ne me posez plus de questions. C'est top secret. Oubliez ce chien et oubliez ce qu'il garde. C'est une affaire entre le professeur Dumbledore et Nicolas Flamel. Qui est Nicolas Flamel? Ça suffit, j'ai dit. Je m'en vais. Tu ferais bien de te dépêcher, Harry. Le match de Quidditch va bientôt commencer. Allez, c'est parti. Petit match de Quidditch. Bienvenue au Quidditch. Ici Lee Jordan, je serai votre commentateur aujourd'hui. Le terrain de Quidditch compte 3 buts. Pour corser le jeu, il y a deux redoutables connus. Oui, Harry Potter est une nouvelle fois attrapeur titulaire dans l'équipe des Gryffondors. Lors du match précédent contre Poufsouffle, il s'est emparé du Bif d'Or. Lorsque le Bif d'Or entre en jeu, il lâche des ailes. Et Potter fonce. Peut-être le vif d'or. Potter a repéré le vif d'or. Ouais. La foule est debout à la vie. Allez, 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 on va le rattraper, allez. Attention à ce cognac. L'attrapeur des six nègres entre en jeu. Je sais même pas où il est, bordel. Merde, putain, je suis à la ramasse là. Ah, carrément. Oh là, c'était du même quoi. Il a été à ma tête de classement. J'ai une très mauvaise nouvelle, Harry. Norbert ne va pas bien du tout. Il est très malade.
On doit lui préparer un dragon fortant pour qu'il reprenne du poil de la bête. Mais il faut des ingrédients très spéciaux pour ça. Des ingrédients qu'on ne trouve pas dans le château. Donc, toi et moi, on doit aller les chercher sur le chemin de traverse. Ok, d'accord. Gringotts Bank. Il nous faut trois plumes de porc, une plume de grand-duc et trois verrues de gros crapauds violets. Sans argent, on ne peut rien acheter. Va chez Gringotts pour chercher des noises, des morlilles et des galions. Grubsec s'occupera de toi. Si tu as besoin de moi, je serai au chaudron baveur. Je vais boire quelques bières au beurre en t'attendant. Viens me retrouver quand tu auras tout ce qu'il faut. Pas dit de... Bon, je vais arrêter là. Bon, les amis, dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. Dites-moi tout. Abonnez-vous à ma chaîne, ça fera plaisir. On se dit à très vite sur une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.